Bonjour à tous, on se retrouve pour la mage 257 de Ark Survival Evolve et dans cette mise à jour on va parler de toutes les nouveautés sur le jeu. En effet, 4 nouveaux dinosaures, l'abeille géante appelée aussi Lapis Lutyonermae, insecte utile pour son farming de miel attractif pour les dinosaures terrestres qui sera un bon moyen de les attirer. Vous avez aussi le Diodoron ou aussi on peut appeler le cochon de l'enfer. Ancêtre du sanglier, cet omnivore s'attaque à tout ce qui s'approche. Ayant une auto-guérison rapide, ce dino sera très intéressant. Le Canthrosaurus ressemble aussi au Stegosaure. Bien qu'il soit plus petit, il sera un bon défenseur pour votre base, de plus si vous en avez plusieurs. Le Liopurdon, qui est aussi un prédateur océanique de grande taille, il se cache dans les récifs en attendant l'embuscade. Son atout sera sa longue durée sous l'eau pour son utilisateur. Bien sûr, cette mise à jour 257 proposera aussi plein de nouveaux items tech tiers. Entre autres, la chambre de clonage tech, qui vous permettra de cloner vos meilleurs dinosaures et faire une armée de dinosaures intéressants. Bien sûr, cela vous coûtera de grosses quantités d'éléments. La selle du mégalodon tech. En effet, vos requins maintenant vont vraiment pouvoir avoir de la gueule avec une armure high-tech qui leur vraiment donnera vraiment un skill intéressant. La tourelle tech. On est en Star Wars? Ah non. La grenade tech et la cave tech qui aura bien sûr un visuel bien plus attractif et futuriste que les autres caves du jeu. Il faut savoir qu'il y aura bien plein d'autres nouveautés sur le jeu dans cette mise à jour 257. En effet, le mode ascension qui permettra aux joueurs de mettre des niveaux de prestige à Ark, de nouvelles coupes de cheveux, une grosse mise à jour de Zeus Hunter, l'apparition de l'alpha mégalodon et bien d'autres ajouts de gameplay. Plus que des mots des images, découvrez la mise à jour 257 de Ark Survival Evolved.